Salut les voyageurs! Bienvenue à tous dans ce tout nouveau vlog où je vous emmène découvrir Amsterdam! Pendant 3 jours, vous aurez l'immense plaisir de suivre mes aventures dans cette ville aux 165 canaux. Nous irons à la rencontre de sa culture, de son architecture, de ses habitants et de son moyen de transport le plus commun, le vélo. Alors j'espère que vous êtes accrochés, car pour vous j'ai marché en titi pour réaliser cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon matin Amsterdam! Pour cette première journée, c'est tout un programme que je vous réserve. Premièrement, nous allons visiter la ville avec le moyen de transport le plus commun ici, le vélo, avec Amsterdam Vélo, créé par Paul Spitz, qui va me faire découvrir cette merveilleuse ville. Ensuite, nous allons essayer de trouver un petit café sympa, un petit peu caché, histoire d'aller prendre le dîner. Et nous allons finir par une après-midi en marchant et en vagabondant un peu partout dans le centre-ville pour y découvrir son architecture, son palais et ses coutumes. Je m'appelle Paul Spitz et je suis directeur, entrepreneur et j'ai créé la petite boîte Amsterdam Vélo. Amsterdam Vélo consiste à des visites guidées en français sur Amsterdam. Alors, la meilleure manière de visiter Amsterdam, c'est vraiment à vélo. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui, qu'on fait ça en français. Hein. Et on a aussi bien sûr notre propre manière à le faire. Quoi. Entre amis, c'est assez flexible. Interactive avec le guide aussi. On essaye aussi d'éduquer les gens à faire du vélo, tout ça. Essayer d'intégrer le vélo dans la ville, quoi. Hein, que ça devient une manière habituelle hein, de se déplacer en vélo, quoi. Je viens tout juste de finir mon tour avec Amsterdam Vélo. Et comme j'ai trop aimé ça, j'ai décidé de me prendre un vélo pour la journée et de continuer ma visite d'Amsterdam en vélo et à pied parce que c'est juste tellement cool comme sensation et tellement une façon originale de découvrir une ville que je me suis dit autant continuer l'expérience. Pour midi, je me suis dégoûté une petite tasse vraiment sympa qui est juste derrière moi, qui est Letting. Et c'est comme une sorte de mini restaurant, mini bistrot où vous pouvez venir manger des bagels, des pancakes, des petits sandwichs. C'est pas cher, c'est une super belle place, c'est très chaleureux. Donc on continue notre visite et c'est parti pour une après-midi à vélo. En vadrouillant dans la ville, je suis tombée sur une rue, un gros coup de cœur, sur la rue Ristraat. Et dans cette rue, il y a plein de petites boutiques vintage, il y a des petits commerçants vraiment mignons qui vaut vraiment la peine qu'on s'arrête, dont la boutique Pluck, où là ça a été mon gros coup de cœur de la rue. Il y a plein de vaisselles que j'aime, enfin moi je suis à fond sur la vaisselle avec les cactus et tout. Puis il y avait plein de décorations intérieures, puis moi j'ai caboté dessus. Fait que si vous avez la chance de passer par là en vélo, la rue c'est Ristraat et c'est magnifique, c'est super beau, vraiment mignon. Puis bon, bientôt allumer les décorations de Noël, vu que c'est encore plus mignon pendant la période de Noël.
Et voilà, notre première journée s'achève ici sur la place Newark, qui est juste à côté de mon auberge jeunesse. Que dire de cette journée? C'était trop bien. J'ai adoré mon expérience avec Amsterdam Vélo. Je remercie Pierre, mon guide, qui a été excellent, drôle, qui nous a fait découvrir d'une autre façon la ville. Je recommande à tout le monde d'ailleurs de faire ce tour guidé en vélo avec Amsterdam Vélo. Parce que déjà de 1, c'est absolument pas touristique, vous apprenez des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, c'est pas du tout trop scolaire et c'est ça que j'ai adoré. On ne nous repère pas, donc ça fait comme si on était entre amis et ça je trouvais que c'était vraiment cool et très original et c'est un très beau concept. Et honnêtement, visiter cette ville à vélo, c'est définitivement un incontournable, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, vous pouvez explorer tous les aspects de la ville et vous pouvez vous sentir comme un local et ça j'avoue que c'est plutôt pas mal. J'ai eu aussi un gros coup de cœur pour les 9 rues qui sont là où il y a tout ce qui est artisans locaux, designers locaux, petites boutiques, franchement c'était vraiment cool. Donc ça aussi c'est un conseil que je vous recommande. Pour demain, je vais visiter plus la partie sud de la ville avec les parcs, avec le gros musée que j'arrive jamais à prononcer mais que je suis sûre que demain j'y arriverai parce que je vais m'entraîner. Et je vais plutôt prendre ça relax demain. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bon matin, Amsterdam. Ça fait à peine 2 minutes que je suis sortie et je galère déjà avec mon parapluie. J'ai l'impression d'être la fille à la météo qui n'a pas le choix de présenter. Aujourd'hui, il fera exactement 10 degrés et nous avons 60% d'averses prévues. Bonne journée. Donc, comment ça va se passer pour cette deuxième journée à Amsterdam? C'est une journée qui était prévue pour être dehors, mis à part ce soir où j'avais prévu de visiter la maison d'Anne Frank, mais c'est pas avant 18h45, donc on va se dire que j'ai un peu le temps. Donc, je vais quand même brader la pluie malgré qu'il pleuve intensément. Je vais marcher dans les rues et je vais découvrir Amsterdam sous la pluie parce que c'est aussi une expérience qu'apparemment les touristes doivent vivre. Donc c'est parti! Devinez qui vient de trouver la meilleure solution pour parer à la pluie. Donc en ce moment je suis au jardin botanique de Amsterdam. Et ils ont une verrière avec plein de plantes différentes. Et je pense que pour les amoureux de la nature qui en général préfèrent être dehors plutôt que de visiter des musées, c'est un bon compromis. Je me suis dit que j'allais passer au moins 1 à 2 heures ici parce qu'il y a quand même plein de choses à voir. Amsterdam, 3e journée, dernière journée, et pas la moindre, puisque aujourd'hui j'ai tout un programme qui a été organisé par le blog Découvrir Amsterdam. J'ai Sandra qui m'a organisé un petit itinéraire pour cette dernière journée qui sort un peu du centre-ville et qui va me permettre d'explorer un autre aspect de la ville. Donc j'ai reçu mon petit itinéraire que je vais vous lire. On commence donc par marcher vers les îles de l'Est, où apparemment l'architecture est vraiment belle. Elle dit que je vais trouver quelques bijoux d'architecture moderne, donc j'ai bien hâte de voir ça. Apparemment je vais passer une grosse partie de ma journée en fait à découvrir ces îles et j'ai un moulin qui m'attend sur mon chemin, un moulin Amsterdam. Je suis vraiment curieuse, fait que j'ai hâte de voir ça. Je déjeune au Lala Rock qui est une petite cantine surinamienne. Bon,
On va voir ce que ça va donner. Après, je retourne à l'hôtel parce qu'à 15h, je prends le bus pour aller en Allemagne. Donc, je suis vraiment excitée. Je remercie d'ailleurs Sandra pour cet itinéraire qui m'a l'air d'être génial et plein de surprises. Notre aventure se termine donc ici. Je viens de passer 3 jours incroyables à Amsterdam. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour cette ville et ses canaux et ses vélos et sa culture. Je tiens à remercier Amsterdam Vélo pour leur visite guidée à vélo que j'ai adorée. Également découvrir Amsterdam, sans qui je n'aurais jamais eu l'idée d'aller découvrir les îles de l'Est, et ce fut un itinéraire vraiment sympa. Je vous conseille fortement de faire appel à Sandra et à Anne pour organiser un itinéraire ici via leur concept Madame Box. Si vous êtes entre amis, si vous êtes avec votre chérie ou si vous êtes toute seule, honnêtement ça vaut la peine, puis on va vous donner des adresses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, et pour ça un gros merci les filles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les voyageurs.